Réalisation d'un pain buns. Le pain buns, c'est le pain pour les petits hamburgers. Donc là, j'ai 1 kg de farine, 400 g d'eau tiède plus 150 g de lait. Ici, 20 g de sel, 30 g de sucre, 30 g de levure sèche. Vous pouvez en mettre entre 30 ou 40 g. Et 2 œufs. Je vais mettre tout ça au batteur. J'utilise le crochet. Maintenant, je verse tous les ingrédients. Les œufs, le sel. Alors ici, je mets le sucre et la levure que j'évite de mettre sur le sel. Voilà. Je mets à mélanger. Et j'incorpore l'eau et le lait. Je laisse pétrir. Ça fait 5 minutes que ma pâte est en train de pétrir. Je vais la débarrasser. Je viens de rabattre ma pâte dans mon cul-de-poule. Maintenant, je vais mettre un linge humide et je vais la laisser pousser pendant 45 minutes à 1 heure. Voilà, notre pâte a bien gonflé, ça fait 1 heure qu'elle est en train de pointer à température ambiante. Alors maintenant, je vais la rabattre. Légèrement farinée. Cette façon-là, ça va se permettre qu'elle s'enlève toute seule. Voilà. Maintenant, je vais faire et je vais aujourd'hui me faire des tout petits pains buns pour un apéro. Alors, je broie. Faut très très peu de farine. Je vais mon premier un petit peu trop gros. Je vais calibrer comme ça. Allez, je vais bouler tout ça et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, tout est boulé. J'ai disposé en quinconce. Maintenant, je vais mettre un peu de lait, des graines de lin. Je vais avoir un petit peu de lait pour faire coller mes graines de lin. Et nous allons laisser pousser une deuxième fois. Mes petits pains buns après la deuxième poussée de 1h10. Voici les résultats de nos petits pains buns pour réaliser des hamburgers maison. À vous de faire maintenant.